Allez, pas un one shot s'il te plaît dès le début du stream là. Ça serait pas très gentil. Est-ce que je peux tank une attaque? Ah, j'ai même pas envie de tester. Ok, mais je vais peut-être pouvoir le tuer avant. Oui, magnifique. Ouh, ça commence presque trop bien, c'est suspect tout ça. Roi Bao qui m'a... Il m'a même pas fait son attaque, c'est même pas une histoire de... Il m'a OS ou pas avec son attaque, c'est qu'il m'a même pas fait son attaque ultra violente. Qui fait très très mal. Champion 7, waouh, tu avances bien. Ouf. Bah honnêtement, les gars, je l'ai fait d'une traite. Et c'était il y a quelques temps maintenant. Il y a eu un événement XP, mais c'était il y a quelques mois, je dirais. Et du coup, ça fait quelques mois que je touche plus du tout à l'XP. Et je suis passé champion 7 vraiment en l'espace d'une semaine, je crois. Bon, j'ai tryhard de ouf. En mode XP auto jour et nuit dans ce continent où c'est impossible de bien tenir en chasse auto. Mais ouais, avec le 200% XP, j'étais monté assez bien, assez rapidement. Ok, on tient. S'il le fait une deuxième fois, ça va être compliqué par contre. Ça passe! Putain la vache, ça passe ce soir, c'est... C'est trop beau. Ça fait quoi? Ça fait 3 d'affilée là? Ouais, 3 d'affilée, sans mourir. Qui on stop? Ouais, il faut savoir que le plus gros précurseur de ce changement pour aller sur le DE, qui est Stis, a.k.a. Hiroshima 91, a.k.a. Closy, a.k.a. l'Infoté, est la personne qui nous a vraiment motivé pour pas mal d'entre nous à aller sur le DE. Et il a ensuite arrêté de jouer. Enfin, il fait une pause, après tout le monde fait des pauses dans le jeu, c'est un truc qu'on connaît très bien. Mais lui, voilà, il part sur une pause au moment où il nous fait changer de serveur, donc c'est un petit con. La FR... Le FR vit toujours, ouais, ouais, il y a toujours... toujours de l'activité sur le FR, je suis toujours aussi sur le... Je sais pas si t'es encore dedans, toi. Je suis toujours sur le Discord des Phoenix sur le LF... sur le LFR, waouh. Sur le FR, et il y a toujours de l'activité, tout se passe bien, donc c'est cool. Voilà, donc... mais en vrai, j'aurais grave pu rester dessus, hein, vu que moi, je fais pas énormément de commerce, ça aurait aussi très bien marché pour moi. Mais là, du coup, faut que j'essaye de me bouger le cul, vu que je suis là. Mais... t'as juste... t'es plus tranquille sur les, sur les spots, et, mais il y a un peu moins de commerce, ouais, c'est juste ça, hein, c'est le classique de ce que tu connaissais, de toute manière. Donc, on va essayer de continuer sur la lancée, même si je reste... je reste cohérent, je sais ce qui peut se passer à tout moment avec le Roi Bao. Et on va rester concentré. Ok, s'il me l'a fait maintenant, ça va être très difficile. Ok, il me l'a fait pas. Putain, c'est beau! Ah, le 10DH du casque que j'avais pas avant, il fait un peu la différence aussi. Même s'il manque le 10DH du bouclier pour être vraiment bien optimisé. Mais putain, ça marche, ça fonctionne bien. Oui, hein. C'était risqué ça. Ce que ça donne après, évidemment, je l'ai pas bien bloqué. Bon, ça pardonne pas ça. Merci, quand même. Un peu de retour à la normale. Je pensais avoir peur, moi. Je pensais m'inquiéter du fait que je sois cocu. Mais c'est bon, tout va bien. Oh là là. Allez, sois gentil, s'il te plaît. Ok, ça passe. C'est bien celui-là, c'est la petite piqûre de rappel. Comme quoi, ça peut très bien passer, mais ça peut être plus compliqué aussi. Quand t'expliques à tes potes que tu dois taper des cailloux pour faire spawn des monstres par milliers. Oui, Metin est unique en son genre. Après, perso, c'est bête, mais Metin 2 a beau dater de 2007 et tout. Mais ce qui me plaît, c'est le côté nostalgique d'adolescence, peu importe les graphismes. Ah ouais, non, mais je suis totalement d'accord avec toi, hein. C'est juste que par rapport. Enfin, si on peut dire qu'il y a un truc à améliorer sur Metin. Je pense que c'est les graphismes. C'est juste pour dire ça, mais je pense qu'on est tous d'accord avec toi. Et la plupart des gens qui sont encore sur le jeu et qui suivent mes vidéos d'ailleurs notamment, c'est des joueurs de longue date et qui sont pour la plupart nostalgiques de ce jeu. Après, il y a quelques nouveaux joueurs quand même, mais il y a quand même une masse énorme. C'est juste des gens qui sont nostalgiques d'eau. Enfin, juste, je me comprends. Hein. Est-ce que je pourrais pas essayer genre d'aggro les destructeurs au courant? Ou d'aggro le Jotun, c'est encore. Oh putain, fais gaffe, les destructeurs, tu les éclates en 3 attaques. Là, il est presque dead, les destructeurs qu'il y a derrière toi.
Fais super gaffe. Est-ce que je pourrais pas aggro le jeton ou quoi? Ah, c'est bon, j'ai un destructeur sur moi. Déjà, c'est une excellente chose. Ok, il est reparti aussitôt. T'arrêtes pas de courir, monsieur Mehdi. Nickel. Nickel, nickel, nickel. D'ailleurs, t'as de nouvelles mythes? Ah, justement. Justement. Non. J'ai pas de nouvelles mythes. J'aimerais bien. Oh, j'aimerais tellement. Oh, j'ai hâte de ce stream. Je veux dire, alors les gars, j'ai acheté une excellente. Une excellente rien. Hein. Rien du tout. Et on est parti tout de suite. Ah, je vais peut-être me faire bloquer. Ok, on va se débloquer, c'est pas grave. Hop, on se débloque. Nickel. On prend la potion verte qui doit plus être active. Non, elle est plus active vu que les 10 minutes sont passées. Avec la chaman dragon, on essaye d'enflammer l'excellent Nemer. On a aussi des attaques à balancer avec l'autre buff. Voilà, on le bombarde d'attaques dans tous les sens. Allez. Et c'est terminé. En 17 minutes et 48 secondes. On n'a pas un huissier de justice pour vraiment valider le temps. Mais franchement, je pense que c'est pas mal. Après, ça reste un duo. Mais quand même, c'est pas une instance qui se fait rapidement du tout. Donc franchement, je pense que c'est grave bien. Je valide le temps. Ah, Maître Comique. Maître Comique valide le temps. Après, je l'ai dit, hein, il y a une énorme partie de luck. Il y a une énorme partie de luck pour les deux étages avec les clés. Ah, ça par contre, ça me fait très plaisir, ça. Ça, ça m'a manqué. Ah, puis ça, vraiment, ça prend la moitié de l'écran. J'avais oublié le fameux grab négatif qui fait que ça prend bien la moitié de l'écran. Oh, c'est beau. En plus, Comique, c'est nul, il a pas été au bout parce qu'il avait dit que... Je cite, je balance. Son pseudo, du coup, c'était Comique sans MS sur le FR, si vous vous rappelez. Pour ceux d'entre vous qui connaissent déjà. Comme son nom dans le chat, si vous voulez, mais avec les petites majuscules au 100 et au MS. Et pas avec deux MS, enfin, il y a avec deux S, parce que je vois qu'il y a deux S sur Twitch. Bon, bref. Il a dit, MDR, je vais m'appeler Comique sans MST. Et au final, il l'a pas fait. Ça aurait été tellement beau. Le Comique sans MS, et juste le petit T là. Oh là là, ça a été si beau. Mais monsieur n'a pas fait. Et monsieur s'appelle 28. Cause I'm American, motherfucker. Oh là là, cet ego, regardez-le. 28. Je me respecte quand même. Mais t'étais une police d'écriture. T'aurais pu être une police d'écriture sans maladie sexuellement transmissible. C'est le level au-dessus de la police d'écriture. Faut arrêter de trop se respecter. Regarde, moi je suis high shaky. Je suis un produit Apple. Tant pis. C'est pour faire américain, MDR. Ouais, pourquoi tu t'es pas appelé 28? Mais non, faut que monsieur s'appelle 28. Vous avez vu, j'ai mis hate comme détester. Parce que ça sonne pareil, ça fait hate et hate. Et du coup, bam. Vu que nous, on est des salopards de français et que les H sont là mais n'existent pas et qu'on les prononce pas, alors que dans la plupart des langues dans le monde, quand on met un H, on le prononce. Vu qu'on est les seuls cons à ne pas utiliser les H mais à les écrire quand même, et bah pour Monsieur Comique, hate et hate, c'est pareil, alors que ça n'a rien à voir. Alors Monsieur l'Américain, il va se détendre le cul. Et en plus maintenant on dit IST et puis MST, j'ai hésité à le dire, mais Monsieur Docteur Laurent Fortiche a raison, MST ça n'existe plus.
Mais bon, ça aurait quand même été mieux que 20 hate. Hate. Pas assez de caractères pour mettre je 7 et match. Ah non, mais le et en toutes lettres comme ça, le ET, c'est encore pire. Je 7 et match. Donc c'est-à-dire que toi, on t'aurait donné le nombre de caractères presque illimité. T'aurais mis une phrase en fait. Je 7 et match, et puis parfois aussi. Non, mais à un moment donné, faut arrêter. Hein. On est où là? On est où? On va où là? Je 7 et match. Et puis la petite majuscule au début à chaque fois. Oh là là. It shaky ou Z shaky plutôt que I. C'est vrai que j'ai pensé au X shaky. Et bam, le Discord, si vous voulez le rejoindre, n'hésitez pas. T'avais testé Shaky for You. Ah non, mais Shaky for You. Déjà, ça date. Je sais même pas pourquoi j'ai mis ça, gros. Qui a l'idée? Je veux dire, j'avais quoi? J'avais 15 ans, 16 ans? Je veux dire, à quel moment t'as l'idée de mettre For You? Je sais pas, d'où j'ai sorti ça. Normalement, si un pseudo marche pas, le truc, c'est de mettre soit des X autour, soit de mettre Docteur Shaky, Monsieur Shaky, MR Shaky. Et moi, je me suis dit Shaky For You. Ouais, je fais une chaîne pour les gens. Enfin, genre, je sais pas d'où j'ai sorti cette idée. Et du coup, en plus, ça s'appelait comme ça dans le jeu, quel affront. Bon, maintenant, on s'y est fait pour la chaîne. On a presque l'impression que c'est normal que la chaîne YouTube s'appelle comme ça, mais c'est très bizarre, Shaky For You. D'ailleurs, c'est moi qui fais l'enculé d'anglais à la base, en fait. C'est I'm American, Shaky For You. Alors que j'aurais pu m'appeler Shaky pour vous. Oh mon dieu. Shaky pour toi, Ah, The Runs qui m'a devancé.